Salut! Aujourd'hui, on va parler du roman de Jeanne de Lidia Yuknavitch. Dans un monde post-apocalyptique, les hommes ont quitté une terre anéantie pour partir conquérir l'espace. Mais leurs corps n'ont pas supporté le changement climatique. Ils sont stériles, albinos et contraints de mourir le jour de leurs 50 ans pour préserver le peu de ressources qu'il reste. Tout ça sous le joug de Jean de Main, le tyran à la tête de cette société. Christine Pizan est le personnage principal de ce livre. Elle est une artiste rebelle. À bientôt 50 ans, elle se rappelle de Jeanne, celle qui, sur Terre, a été le dernier rempart face à Jean de Main. Christine va prendre modèle sur son héroïne et tenter de soulever le peuple contre la tyrannie. Ce roman est étonnant, il ne va pas là où on pense qu'il va. Outre les références littéraires et historiques évidentes, la trame narrative est vraiment recherchée et les personnages ont des caractères très forts. L'univers est incroyable. Lidia Yuknavitch nous emmène entre une terre dévastée et une lune colonisée et il mériterait d'être encore plus développé que cela. Néanmoins, ce roman est absolument incroyable. N'hésitez pas à aller jeter un œil à ce livre. Si tu as aimé ce conseil lecture, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu ou à partager à tous tes amis lecteurs. Je te retrouve demain pour un nouveau conseil lecture. Bisous !